Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est 15 jours après le tournage de la vidéo que vous allez voir juste après. Donc à la base c'était un gâteau d'anniversaire pour Ify parce que bah elle est née le 3 mai. Donc du coup elle a fêté ses 4 ans et du coup on voulait faire un petit goûter d'anniversaire avec tous ses copains. Et donc bah il y a les images du gâteau, etc. La vidéo est sans trop de montage. Allez, voilà, il n'y a pas de... Enfin bref, voilà, comme ça vous allez vivre l'action avec nous, quoi. Voilà, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, un bol de cornflakes, une pomme coupée en morceaux. Je vais mettre banane et carotte. Et un reste de banane aussi. Je vais mettre une autre banane. Peut-être rajouter une compote dedans, non? Oui. Je rajoute une compote. Parce qu'en train de faire là, moi je me fais pour moi goûter, hein, je me dis. Genre, et je mets pas les carottes, mais flocons d'avoine, lait d'amande, banane. Écraser la banane. Hein. Comme ça, même s'il n'y a pas de pomme, elle aura quand même le goût de la pomme. Enfin, les autres aussi. On va partager avec les salons. Bah, quand même, bah, au moins, avec toi tout seul. Voilà. Et un moule. Ça, j'ai un peu peur que ça déborde. Hein. Il y a quand même beaucoup de mixture, quoi. Je vais tasser. Oh non, ça va faire. Mais oui. Franchement, ça a l'air bon, hein. Carrément. Sans carottes, j'aurais bouffé. Non, mais banane, faut qu'on goûte. Oui. Tu veux goûter? Laissez goûter. Vas-y. Non, mais pas tout ça. C'est pas bon? Il y a pas de sucre, c'est dégueulasse. Ah bah oui. Ça fera pas une pâte, hein. Pas sûr, moi. Si. T'as mis un œuf? Non, même pas. Non, mais c'est la recette. Si, non, ça va faire. Et on enfourne pendant une heure. Non, mais pas une heure. Pas une heure, hein. Non, mais je te demandais s'il y avait quoi dedans pour donner cru. Je vais couper des morceaux de carottes et des morceaux de banane pour faire la déco. Allez, il y a un grand petit coup à la maison. A few moments later. Update cuisson. À 12 minutes. Eh, à mi-temps, hein. À mi-temps, à 12 minutes. Ah, oh, ça a un peu gonflé quand même. Ah, ça gonfle. C'est possible que ça gonfle. Oh, ça sent bon. Je zoome. Regardez cette beauté. Eh, c'est pas mal, hein. Il reste 10 minutes. One eternity later. De toute façon, c'est super, ça éteint le four. Comment? Ah, c'est bon. Bon, ça fait une demi-heure, mais on en a marre. Donc on le sort, normalement, c'est une heure. J'ai peur. Du coup, je le retourne là. Tout à fait. Mais non, il va être nickel. Tu tapes. J'ai peur. Tape. C'est bon. Pendant 3 heures. Il a collé. Oh non. Ah merde, je croyais qu'il était. Oui. Eh ben. Ouais. Mais tu racles. Tu racles et puis tu remets dessus. Ouais, je vais racler. Je mets la déco. J'aurais mis après. Moi, j'aurais mis écrit 4. Vu qu'elle a 4 ans. Ah bah attends, avec les carottes. Oui, sinon. Non mais, c'est pas un 4 ça. Bah non, mais il faut que t'en remettes un là. Attends, mais oui, un là. Ici. Serre là. Là. Mais non. Mais non, en bas. Là. Mais tu sais pas. Eh bah voilà, c'est bon là. J'ai peut-être pas assez serré. Bah enlève celui-là. Voilà. Ça fait 4 là. Non, bah oui. Ouais, non, vite fait. Encore un là, non? Bon, faites comme vous voulez. Bon, allez, voilà, c'est bien, check. De toute façon, il va être détruit, le machin. De toute façon, elle ne regardera pas. Hein. Donc, du coup, on va au prix. Vu qu'elles sont à Pétaouchnok, on prend la bagnole. Traveling. Ah. Traveling. Tintintintin. La pièce montée. Hein. Te pète pas la gueule. Comme vous pouvez le voir, la pièce montée. Hein. C'est notre sœur. T'es sûr? Non, mais regarde-le, son gâteau.
Oh putain. Ça commence mal. On a fait 1 mètre. En vérité, je pense que la nuit sert à rien. Ça se tient pas trop mal. Hein. Allez, on va fêter l'anniversaire de ma chichi. T'as pas les petits chapeaux pour un petit coup, maman? Happy birthday! Tout. Ça aurait été trop mimi avec des petits chapeaux de clown pointus. Ah là 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 là. L'embarquement du gâteau. La mise en place du gâteau. Voilà. C'est pas on va vraiment faire une vidéo sur un gâteau pour un poney. Non mais c'est vraiment une. Les petits pouces, ils auront pas le gâteau. Oh. Je suis triste pour eux. Faudra pas leur dire. Ah, elle a senti le gâteau. Elle a son masque, c'est bien. Va venir la chichi. Bon là, lui, il a servi à rien. Il s'est grave bien maintenu, hein, le gâteau. Faut lui enlever son masque, attendez. Attends, moi je filme, hein, ma foi. Chichi. Attention, ce qu'il y a Lily. Doucement, ici, s'il te plaît. Et c'est sûr, ça les énerve, et du coup, j'ai laissé le couteau là-bas. Hein. Bon, en fait, non. Ouais, j'ai un bout de bois. Doucement, Ulfa. Regarde-la. Doucement, Ulfa. Et j'ai mes anneaux. Mais oui, ils sont où les anneaux? Venez. C'est le goûter d'anniversaire, les anneaux. Ça n'a rien à foutre. Eux, j'en ai pas eu, ouais, tes cadeaux. Voilà, fais la pause, ma chichi. Un bout de banane. Ah, elle aime pas. Elle l'a recraché. Attends. J'aimerais bien prendre une photo quand même. Attends. Peu de table. Aïe. Attends. Non, mais il faudrait qu'elle se mette face à moi. Non, non, ça veut pas du tout ça. Cours et reviens. Ah. Mais ça là. Vas-y, reviens. Elle va te suivre. Elle l'a recraché le bout de banane. Voilà, c'est bon. Chichi! Voilà la chichi! La plus belle du monde! Allez! Mais oui, mais le gâchis de banane! Y'a ma Nini! C'est bon, on a eu des photos, ouais, ou pas? Bon. Ok, super. Prends ma Lily, la plus belle. Oh. C'est bien, tu fais des déplacements de hanches, ma chichu. Mes salons. Attends, parce qu'on attend les salons, une fois. Mange la banane. Mes salons. Mais elle. Regardez. Stop les chichus. Mais c'est mort. Je sais pas où sont mes salons. Ça m'inquiète, j'aime pas. Bon, je prends mon téléphone parce que Clarisse a la caméra. On devait faire goûter le gâteau aux années aux juments. Mais les ânes ont disparu. Ils sont plus du tout dans le pré, donc à la recherche des ânes. Le parc est ouvert. Le parc est littéralement ouvert. Putain, non, vous sortez pas les chichus. Putain, non, Ifi, tu sors pas. Il y a des gens qui ont laissé le passage ouvert. Les filles, le parc est ouvert où je suis. Ouais, on est en train. Eh, Ifi, c'est bon, Ifi, c'est bon. Je pense qu'elles sentent qu'on panique grave. Et du coup, elles paniquent aussi, quoi. C'est bon, les chichis. Tu peux pas sortir, Ifi. J'ai fermé, hein. Faut qu'on prenne un morceau du chemin. Oh là. Lily, c'est pareil, tu peux te calmer là.
Ah! Non mais sans déconner quoi. Elle est jument. Il y a des traces de bagnole, ça se trouve, il y a une bagnole qui est passée. Oh, puis c'est immense. Lesano! Il y a des traces. Putain, ils sont allés jusqu'où? Ah, il y a encore des traces ici. Punaise. Indien! Ah oui, il y a des traces ici, putain. J'ai entendu du bruit, mais je sais pas. Il n'y a pas de traces. Hein. Non, non, il n'y a pas de traces. C'était peut-être une bestiole. Hein. Les Sano ? Mais Pinoc descend de ça, quoi. Indien, franchement. Il l'a entraîné dans son truc et puis. Non, mais c'est pas possible. On va se péter la gueule, hein. Les Sano! Oui, ça va, mais c'est humain. On est dans un ravin. Sinon, tu leur donnes le gâteau, hein, tant pis. Hein. Ouais, donne-leur le gâteau. Si ça va pas, tu leur donnes le gâteau. Hein. Et puis après. J'ai dit à la mère de venir, on est au chalet du. On voit des traces là, ça descend, laisse tomber. On est carrément à. On a. Oui, c'est ça, on a. Il y a plus de traces là-dessus. Si. Là, là. Là, là. Pas dans les maisons. Il y a la mère qui vient. Hein. De toute façon. Là, là, là. Non, non, non. Ils sont allés comme ça. Regarde. Moi, je serais toi, Pauline. Je donnerais le gâteau au jument. Donne le gâteau et tu remontes. Il n'y a plus de traces là. Hein. Okay. Remonte. Tant pis. Ouais. Là, ils repartent par là. Derrière, il y a quoi? Et donc, s'il y a une crotte, on savait qu'on était sur le bon chemin. Mais après, parce que là, on arrive quand même au bord de la route, quoi. Les Sano! On est chien, il y a des chiens. Hein. Fais attention. Il y a toujours des traces, on suit. Voilà. Ouais, vas-y. Là, il y a des prés, là. Les Sano! Les Sano! Il y a la route derrière. Oh putain! Non mais c'est pas possible. Attends, faut pas qu'on stresse, ils vont se casser sinon. Il y a mon bébé.
attends, faut tout remonter. Hein. Non, mais on est dans la merde. Hein. Non, mais moi j'appelle papa pour la bétaillère. La bétaillère? Bah, on va remonter tout doucement, on n'a pas le choix. Super goûter d'anniversaire, les gars. Merci. Hein. Putain, on avait un bon gâteau. On était super contentes. T'as mis en tour de cou? Ouais. Ouais, j'appelle la mienne. Je vais te donner la mienne et puis on va mettre. Ils vont rester là, maman. Je pense qu'ils ont assez couru. Oui, ça c'est sûr. Non, tu bouges pas. Bon, alors, je sais pas si. Ah bah non, on est chez en plein chez dans la carrière. On est dans la carrière de chez. Bah ouais, mais papa il fait quoi là? Ah ouais, non maman, c'est on en a pour 2 heures, hein, c'est pas possible. Hein. Non mais appelle Isabelle, la mère, demande-lui le van 2 places ou 1 place et demie. Oui, carrément. Oui, qu'elle vienne. Si elle peut, oui. On va descendre le bord de la route. On va descendre au bord de la route. On va descendre au bord de la route, nous. Et on n'a pas de licol, par contre, si elle vient. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, appelle Isabelle tout de suite, hein. Il y a le sable ici? Non mais vous en... Quand même! Non mais quand même! Non mais moi j'ai pas du tout envie de passer là-dedans, j'ai peur! Mais ça, de toute façon on n'a pas le choix, maintenant faut qu'on... Ah bah ils ont fait quelqu'un! À mon avis Pinocchio il est bien crevé. Et puis nous on remonte pas, t'as vu les montées? Non mais... Bon du coup on entend des gros chiens, parce que comme on sait où on sait qu'il y a des gros chiens super méchants. Il y a des traces, non? Ah bah oui, ils sont venus jusqu'ici. Ouais, c'est brouté. Il remontait en fait. Oui. Bon du coup je filme avec mon téléphone. On va passer à travers près parce que il y a les gros chiens. Et voilà, on peut pas passer. Bah, faut passer là. Hein. À moins que descendre là. Mais les gens les ont vus. Hein. Hein? Il y a des gens sur la terrasse. Oui bah écoute, on s'en fout. Ils avaient certainement vu les ânes peut-être aussi. Hein. Bah, c'est pour ça que je te dis ça. Du coup. Là, normalement, on rejoint cette maison. Il a peur d'une écorce. Il a eu peur. On rejoint la maison. Ah putain, il y a des vaches. Est-ce qu'il y a un parc? J'espère pas. Maman nous a trouvés. Ah, il nous amène à l'école, Mathéo? Ouais, okay. À l'école encore. Ah merde! Ils ont fait vite, c'est ça? Merci, Mathéo. Bon, du coup, je fais un petit update. Maman nous a ramené de l'eau et à manger. Et du coup, on se tape 4 km à remonter à Yep. Voilà, joie et bonheur. Mais oui, il a eu ça! Mais oui, viens, c'est pour toi! Non, pas l'appareil photo! Putain! Tu fais chier, hein? T'aimes pas? T'aimes pas les gâteaux? Lily! Ça colle? Doucement! Ça colle?
Il est bon ce gâteau. Le gâteau du drame. Elle a tout pété. Elle a tout pété la Lily. Je sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Avec ton nez. Elle trie. Elle trie et elle ne mange que les carottes. Hein? Oui, oui, c'est ça que tu fais. Regardez avec son petit nez. Venez trier. Ça colle, hein? L'épice. Alors, update du gâteau. Désastre. Je récupère ça, Lily. Je vais racler. Voilà. Elle a eu faim. Il était bon le gâteau. Elle a eu faim, elle a tout bouffé. Quelques débris. Voilà, Eva. Bon, il est 6h, je pense 6h20, à mon avis. Ouais, 18. Et on vient d'arriver au pré. Ça fait donc 2h. Je pense que ça fait 2h qu'on court après les ânes. Elle a remis les masques. Oh, elle a remis les masques au chichu, Pauline. Oui, parce que du coup, Pauline est restée avec les juments pendant qu'on est redescendu. Mais oh, elle a remis les masques. Oui. Oh, elles sont contentes, les chichus. On les a ramenés. Venez, les chichus. Vous avez bouclé la boucle, je vous annonce. Oui, tout à fait. Allez, mon tu avances, Indien. Tiens, Mathéo. Les chichus. Il y a les sanons qui sont rentrés, les chichus. Oh, ma Ufa, regarde. Elle vient au trot. Viens, ma chichu. Non, je... depuis ce matin, je suis pas née comme ça. T'es contente? T'as la réussite. Bah oui. Coucou. Bon, on va les enlever du coup. Oui, on va les enlever. Ça va bien. Ça va, mes sanons? Attention, j'enlève. Faut un gros toto, mes sanons. Doucement, je suis hein. Tu vois, ils sont revenus. C'est les sanons. Doucement. Ma Lily. On a ramené les sanons. Tata, elle a remis le masque. Les chantilles. Notre chauffeur privé est arrivé. On rentre à la maison. Comme vous venez de voir la vidéo, donc on a amené le gâteau, etc. Et donc les juments étaient là. Puis nous avons cherché les ânes un petit peu partout. Donc j'appelle. D'habitude quand j'appelle ils viennent. Donc des fois ils prennent un certain temps parce que bah quand ils sont loin, voilà, ça prend un certain temps de venir. Mais là. On a été tout au bout et là le passage grand ouvert. Moi j'ai quand même fait le tour du pré. C'est moi qui avais la caméra à ce moment-là, mais ça filmait pas parce qu'on était tellement dans l'angoisse. Après, Pauline elle est descendue. Enfin bref, on a couru un peu partout. Du coup, les juments étaient fin excitées, elles gueulaient, elles machin et trucs bidules. Donc, déjà, les juments étaient là. Puis, comme je vous l'ai dit, on découvre que le passage est ouvert. Donc, on se met à courir avec Stéphanie en descente des chemins et chercher les traces des ânes. Parce qu'il y a toujours plein de chemins. Et puis, même dans la forêt, ils pourraient très bien aller dans la forêt. Donc, on s'est mis à chercher les traces des ânes, voir où ils sont passés, etc. Et donc, du coup, on descend. Enfin, bref, moi, j'appelle ma mère entre-temps pour qu'elle aille... près de la grande route parce que le chemin normalement quand on prend à gauche il descend sur la grande route dans les villages etc. Donc du coup elle a descendu en voiture et puis après on s'est rendu compte qu'ils ont pris toujours à droite. Non, pas le premier chemin. Premier chemin ils ont pris à gauche. Non mais Pinoc. Oh Pinoc. Bah je peux pas filmer là mon pote. Du coup Pauline était toujours avec les juments là-haut parce que ça servait à rien qu'on court toutes les trois n'importe où.
il fallait qu'on reste cadré, organisé. Pauline, il y a quelques images que les juments mangent le gâteau du coup. Donc sans nous et sans les ânes. C'est ça. Donc bah ma foi, il y a que les juments qui ont mangé leur goûter. On a finalement retrouvé les ânes très bas. Donc je sais pas, ils étaient à 4 km de leur pré. Donc ça faisait 8 km de la maison. Voilà, on a cherché une solution pour les remonter. Donc on s'est dit, est-ce qu'on n'appellerait pas quelqu'un avec un van ou alors la bétaillère avec le tracteur, etc. Sauf que notre père répondait pas. Donc, eh ben, on a tout remonté à pied. Voilà, donc ça, vous avez quelques images, c'est pareil. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre, mais ils étaient dans un endroit carrément privé, dans une carrière de cailloux, quoi, de sable, etc. Bref, l'angoisse. Du coup, voilà, tout finit bien. Personne ne s'est fait mal. Les ânes, ils étaient très contents d'avoir fait leur petite balade. Petite, lol. Et bref, du coup, voilà, ils ont retrouvé leur jument et... On s'est tout tapé à pied. On s'est tout tapé à pied et nous sommes pas mortes, nous sommes bien vivants. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, ça a amené un petit peu d'ambiance dans la vidéo, parce qu'à la base, c'était une vidéo juste du gâteau d'anniversaire. Et bah donc du coup voilà, vous aurez peut-être une vidéo du gâteau d'anniversaire de Lily. Oui. Donc le 27 mai. J'espère qu'ils se sont pas barrés. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.